veux casser la sonnette ou quoi? Je suis désolée, c'est juste que je pensais que personne ne m'avait entendue. Je viens vivre ici, je suis Yuri Alvear. Il se trouve que lorsque je venais ici, on m'a volé ma valise ainsi que toutes mes affaires. C'est ce qui arrive quand tu fais l'aumône? Oui, je suis judokate. Et je suis étudiante à l'École nationale du sport. Tu es aussi une sportive? Oui, et je n'ai pas le temps de t'écouter. Tu vas entrer ou rester là? Je vais entrer. Je suis la femme de ménage. L'administrateur a été viré parce qu'il prostituait les garçons, bien que la rumeur disait qu'il courait plutôt après les sportives. Le nouvel administrateur sera nommé à tout moment, cela dépend de la commune. Et en attendant que ça arrive, je suis chargée d'accueillir les garçons qui arrivent. Mais ici, je fais le ménage. Merci beaucoup. Bertha, c'est ça? Et voici ta clé. Eh bien, mets-toi à l'aise. Merci. Bien, je te souhaite la bienvenue. On pourra parler un peu plus tard si tu veux. Oui, d'accord, madame. À plus tard. Allô? Maman, c'est moi. Comment vas-tu? Très bien, ma fille. Tu me manques, tu sais. Je suis contente d'entendre ta voix. Tu es bien arrivée à Cali? Très bien. Je suis arrivée à la maison des sportifs sans aucun problème. Et là, j'ai trouvé un téléphone tout prêt pour pouvoir t'appeler. Ah, c'est une bonne nouvelle. Je t'ai remis entre les mains de la Vierge Marie. Et comment te traite-t-il dans cette maison? Super bien, maman. Franchement, tu devrais voir comme ils sont tous gentils. En plus, je suis trop contente parce que demain, je commence l'université. Et j'ai vraiment hâte. Dis-moi, comment vont papa et Norbert? Bien, quelqu'un les a appelés pour un travail et du coup ils sont partis. Voici le salon, et là ce sont les quatre tableaux dont je vous ai parlé. Ah. Un, deux, trois et quatre. Ah, c'est joli, c'est joli. Oui. Je veux que vous les accrochiez sur ce mur. C'est entendu, Don Isidro. Je veux qu'ils soient symétriques. Ne vous inquiétez pas, Don Isidro. Vous savez, nous sommes des professionnels, symétriques. Je l'espère bien. Oui. Bien. À plus tard. Allez, note. Donc, dis-moi. 2 mètres de long, 43 de large. Multiplie le tout et puis tu divises en 4. Tu ne sais pas faire la multiplication. Et voilà, on va mettre 2 en dessous. Oups, c'est trop éloigné cette fois, tu ne crois pas? Lequel des deux on doit mettre après? Tu veux bien mettre l'autre ici pour tenir celui-là? Et il sort du travers. Non, non, il a dit symétrique. Ça devait être symétrique. Symétrique, ça veut dire aligné, papa. Redresse-le, bouge-le par ici, on va voir si on peut le relever par là. Et arrête de bouger. On va voir si ça tient. Tada! C'est quoi tout ce désastre? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Bien, non. On a fait comme vous avez dit. On a juste accroché les tableaux en symétrie. Mais le problème, c'est qu'on a vraiment bataillé pour pouvoir les aligner comme il le faut. Oui. C'est pourquoi on a dû faire des petits trous, vous voyez? Je crois que celui-ci est de trop. Je vais chercher un peu de plâtre et de peinture. Et ensuite, on va recouvrir ce magnifique petit mur. Et comme vous êtes déjà client, on va vous faire payer moins cher. En fait, on va rien vous facturer. Ah non, j'en ai plus qu'assez. Vous savez quoi? Vous êtes des Comment incapables. Quoi? Vous allez sortir de chez moi. Et alors, vous n'allez pas nous payer? C'est ça, vous pouvez rêver, sortez. Non, non, sortez non, de non, chez non. Moi. Dans ce cas, je prends cette lampe comme Attention, compensation. Je vais appeler la police. On y va, papa. Je ne vais pas en rester là. Alors, tonton, pourquoi tu n'es pas à la caserne? Nous sommes en deuil, ma dynamite. Quelque chose est arrivé à grand-mère? Ta grand-mère va bien, chérie. Dans ce cas, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Mon père s'est suicidé. Quoi? Mon grand-père? Ouais. Il a été retrouvé mort sur une falaise avec son cheval. Sur le chemin du village qui mène à la ferme. Ils ont glissé dans un ravin. Nous sommes réunis pour dire adieu à notre frère Evelio. Mais cependant, nous pouvons nous réjouir pour lui. Car il est heureux là où il est. Il est beaucoup mieux loti que nous tous sur cette terre.
parce qu'il est parti dans le royaume des cieux. L'espérance qui pour nous tous, et tous les chrétiens, nous a été donnée par Dieu, notre Seigneur. Et nous a offert la vie et le sang de son Fils, Jésus. Mais ne sois pas triste. De par sa résurrection, nous sommes... Oui, je le sais, grand-mère. Dis-moi, est-ce que je le connaissais? De la mort, tu seras sauvé. Oui, grand-mère, tu le connaissais. Je ne m'en souviens pas. Face à la mort, quelle parole, quelle espérance il faut avoir. Je vous le dis. Celui qui cherche refuge en lui sera sauvé. Tu sais, je n'arrive pas à croire qu'on ait enterré papa en premier, sachant à quel point maman est malade. C'est comme ça la vie, Henrik. Non, Gabriella, ce n'est pas juste. Ça me fait tellement mal de la voir comme ça. L'homme de sa vie vient de mourir, celui avec qui elle a toujours partagé sa vie. Et elle ne s'en rend même pas compte. C'est peut-être mieux comme ça. C'est mieux que de la voir souffrir. Je vois que sa santé se détériore. Allez, dis-moi la vérité, qu'est-ce que le médecin de la Fondation t'a dit au juste? Elle a dit que cette maladie était comme ça. Il n'y a rien à faire. On doit s'attendre à la perdre à tout moment. Oh maman, ne dis pas ça, s'il te plaît. Je sais que grand-mère va vivre encore longtemps. Enrique, je suis désolée de te demander ça maintenant, mais... Nous avons grandement besoin de ton aide. Les médicaments de maman coûtent très cher. Et c'est très difficile pour Pastor et moi de les acheter. Je comprends tout à fait. Et crois-moi, je vais faire tout mon possible pour t'aider, Gabriella. Mais ce ne sera pas grand-chose. Ce que tu peux, ça ira. Écoute, même s'ils ne vivent pas avec moi, je dois participer aux dépenses des enfants. Maman, je peux travailler, moi. Chérie, arrête de dire des bêtises. Occupe-toi de tes études et ça sera déjà bien. Mais je peux très bien étudier et aussi travailler. Laisse-moi t'aider, d'accord? Je me demande si je dois y aller ou pas. Fiston, tu penses que j'y crois pas? Tu es sûr ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi est-ce que tu ne parles pas? C'est juste que je suis inquiet. Des problèmes à l'école? Non. Tout va bien à l'école. C'est juste que je suis invité à une fête. Quel est le problème d'être invité? Mon fils, quand j'avais ton âge, je faisais tout le temps la fête. Tout le temps, tu sais. Ouais, mais je ne sais pas danser. Comment ça? Un de mes fils me dit que... Hein? Qu'il ne sait pas danser? Alors tu n'es pas un Munoz. Mais comment je pourrais, papa? Tu m'as jamais appris. Qui a dit qu'il fallait apprendre à un Munoz à danser alors que c'est dans tes veines? C'est pas vrai. Tu n'es pas mon fils, ta mère a sûrement dû me frapper. Ah, je ne sais pas pourquoi je te parle de ça. Ah, tu ne vois pas que je suis en train de te charrier? Et toi, tu le prends au sérieux, mon pote? Bien sûr que tu peux me parler de ces choses, je suis ton père. Tu vas à une fête, non? Tu ne sais pas danser? Je vais t'apprendre, fiston. Allez, tipopin, poripon, tipopin, poripon. Laisse ça. Mais ça... Allez, vas-y, bouge. Un peu le corps, viens par là, on va y aller tout doucement, comme ça, oui. Tipopi. Il faut bouger les hanches. C'est à quoi tu t'attendais? Allez, on recommence. Voilà, viens par là. Viens par là. L'important est que tu dois ressentir la musique, compris? Le secret est ici, dans cette zone. On va suivre le rythme, c'est comme une balade. Arrête. Bon, allons-y. Et un, deux, et un, deux. Un, deux. Un. C'est ça, très bien. C'est ça, voilà. Oui, vas-y, détends-toi, laisse-toi aller. Sans blague, petit frère, tu dois demander la permission pour bouger un pied. Regardez comme il est tendu. Ouh, frérot, sérieusement, une toupie a plus de rythme que toi. C'est faux, mon amour. Tu te débrouilles bien, c'est vrai. Regarde en haut, car si tu regardes en bas, ta partenaire dira « Oh, ce mec, il ne sait pas danser. » D'accord, papa, mais on doit faire comme ça ou comme ça? Ça dépend si c'est un passio, si c'est un merengue, si c'est un pouilla. Maintenant, si tu vois que la fille a de belles fesses et que tu as envie de coucher avec, pas de soucis, mais sache qu'à partir de là, c'est la zone pelvienne. Non, mais je vous jure, ces jambes ne sont pas faites pour danser, mais pour donner des coups. Regardez-moi ça. Et petit frère, celle qui va danser avec toi risque de s'endormir sur ton épaule. Va-t'en. Sors d'ici. Attends, papa. Allez, j'ai dit, va-t'en. Mon avis. Hésite-toi aussi. Allez, sors d'ici. Allez. Oscar, assieds-toi. Assieds-toi. Viens, Francisca. Je vais te montrer. C'est comme ça qu'on s'est connus. Tu te souviens? Tu t'en souviens? Sur une musique suave. C'est comme ça qu'on fait.
Oh mon Dieu, j'en crois pas mes yeux. Les anges tombent du ciel. De la couleur du chocolat. Je peux m'asseoir ? Bien sûr. Je n'ai jamais vu autant de beauté tropicale dans cette région. Je suis arrivée cet après-midi. Enchantée. Je m'appelle Javier Mosquera, à ton service. Je m'appelle Yuri Alvea et je viens de Jamundi. Et tu pratiques quel sport au juste ? Judo. Judo ? Oh, j'ai intérêt à bien me tenir avec toi, non ? Oh, comme tu peux le voir, j'ai beaucoup de muscles. Mais la seule chose que je ne sais pas faire, c'est me battre. Je suppose que tu es une dure à cuire, n'est-ce pas ? Tu peux me contrôler avec un petit doigt. Je me laisserai faire. Bon, maintenant que nous sommes dans la confidence, dis-moi, quand commences-tu les cours ? Je suis censée commencer demain, mais je ne sais pas si ce sera possible. Pourquoi ? Parce que figure-toi qu'on m'a tout volé et j'ai même pas de quoi me changer. Ouh, tu viens à peine d'arriver que tu te fais voler ? Oui. Je t'ai apporté ces vêtements pour que tu puisses aller en classe demain, d'accord ? Tu es si gentil, merci. T'inquiète, je suis là pour t'aider. J'y ai réfléchi et je me suis dit qu'ils devraient te convenir. T'en dis quoi ? C'est parfait, Javier. À qui sont-ils ? Hé, hey, comment ça c'est à qui ? Ce sont les miens. Non, sérieusement, ils sont à qui ? Ah non, c'est à une des sportives de la maison. Quand pourras-tu me la présenter pour que je puisse la remercier ? Peut-être un jour. Yuri, franchement, je te l'ai dit. Tu sais, ici, nous sommes comme une famille. Et nous sommes là pour nous entraider. Ah. Et en parlant de famille, qui sont-ils ? Deux des personnes que j'aime le plus dans cette vie. Mes parents. Hé, hey. Ben, mon Dieu, tel père, telle fille, non ? On se ressemble ? Mm-hmm. Ils sont très beaux. Merci. Hé, hey, la petite Jamundi ! Viens par là. Je m'appelle Yuri Alvear. Qu'est-ce que tu veux ? Ah, en plus tu as le culot de frimer devant moi ? Non mais t'as pas honte ? Tu fais quoi avec mes vêtements ? Espèce de voleuse ! Tes vêtements ? Oui, ce sont mes freins, tu croyais quoi ? Si tu ne les enlèves pas, je vais le faire ici. Sans blague, Maria. Je suis en train de faire toute une histoire pour ces bouts de chiffon. Non. Et toi, tu te prends pour qui pour me prendre mes affaires et les donner à cette petite pimbèche que je ne connais même pas ? Ça va pas la tête ? Calme-toi, tu veux ? Tu n'as donc pas de cœur ? Ça ne te coûte absolument rien de faire une petite faveur. Tu sais ce qui est arrivé à cette pauvre fille quand elle est venue ici ? Elle a été volée et elle n'a même pas de vêtements pour aller à l'université. Un peu de compassion. Et qu'est-ce que j'en ai à cirer ? Est-ce que c'est moi qui l'ai volée ? Ou agressée ? Non, n'est-ce pas ? Eh ben alors, écoute ce que je vais te dire. Ne t'avise pas de prendre mes affaires, sinon tu vas avoir de gros problèmes. Espèce de crétin. Tiens, je te rends tes vêtements. Je suis vraiment désolée, je tiens à m'excuser, c'était une erreur. Écoute-moi bien parce que je ne vais pas le répéter, petite. Que ce soit la première et dernière fois que tu me piques des affaires, t'as compris ? Non, parce que je peux te jurer une chose, je peux te faire virer pour avoir osé me voler mes vêtements, c'est compris ? Ça suffit ! Faut que tu te calmes, tu ne vas pas faire un scandale pour ça. Dégage de là ! Regarde bien à qui tu fais confiance, compris ? Je voulais te dire... Merci ! Merci de m'avoir prêté ces vêtements. Merci d'avoir voulu m'aider. Je suis même passée pour une voleuse. À vrai dire, cette fille a toutes les raisons de se sentir offensée. Mais bon... Ne dis rien, je vais être en retard à l'université. Attends, je suis vraiment désolée, excuse-moi. Pour réaliser des performances exceptionnelles et atteindre l'élite sportive, il faut surtout avoir du temps et beaucoup de patience. Il faut aussi établir des étapes. Changer et rendre la routine d'entraînement plus exigeante. Vladimir Platonov... Excusez-moi, était... monsieur. C'est à cette heure que tu arrives en cours. Je suis vraiment désolée. Ce qui se passe, c'est que... Je ne te demande pas la raison de ton retard. Je te signale que tu ne peux pas entrer dans ma classe par simple respect pour ceux qui sont arrivés à l'heure. Je suis vraiment désolée, professeur. Je suis arrivée à Cali, tout va de travers, tu sais. Figure-toi que je porte toujours les mêmes vêtements que j'avais depuis mon arrivée ici, car ils m'ont volé ma valise avec toutes mes affaires. Je me suis déjà fait une ennemie à la maison des sportifs et pour couronner le tout, je me suis mis à dos le professeur le plus important de l'université. Mais qu'est-ce que je vais dire à ma mère ?
Et promets-moi que tu ne vas rien lui dire, car la dernière chose que je veux faire est de l'inquiéter avec mes problèmes. C'est exactement pour ça que je suis en train de t'appeler, Jenny. Tu sais parfaitement bien que ma famille n'a aucun moyen de m'aider dans ce sens. Et le fait est que j'ai besoin de toute urgence de m'acheter au moins 2 vêtements de rechange. Mademois Sarita, elle est belle à croquer. Cette fille a l'air de sortir d'un conte de fées. Ah oui, tu es le grand méchant loup. Le patron sera furieux s'il te voit la regarder de cette façon. Hé, hey, c'est bon, lâche-moi avec ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis invité. Vous travaillez? Ou alors vous êtes aussi invité? Excusez-moi. Oh, Oscar, je suis contente que tu sois venue. Merci. Tu ressembles à une princesse dans Merci son palais. Beaucoup. Bon anniversaire. Merci. Ça, c'est pour toi. T'es sérieux? Ouais. C'est trop gentil, merci. Alors? Ne t'en fais pas, je suis Qu'est-ce contente qu'il y a? Que tu sois là. Ah, sacré numéro. La fille du patron a l'air d'apprécier ce gars. Maintenant que j'y pense, ils forment un joli couple, non? Hé, c'est bon, mon vieux, non. J'ai dit à ce type de ne plus me chercher ou il aura des ennuis. Je vais devoir lui rappeler une chose ou deux. Sérieusement, tu vois pas que c'est juste un gamin? Je m'en fiche qu'il soit le fils du pape ou non. Il ne va pas se moquer de moi comme ça. Tu sais quoi, Villa? On va bien voir comment il continue à pratiquer ce sport avec des jambes cassées. Regarde, il est là, Villa. Tu es sûr de ce que tu vas faire? Mon pote, ce que je veux faire, c'est rendre service à ce gamin. Arrête, pour qu'il comprenne comment fonctionnent les choses. Il t'a montré qu'il n'avait pas peur de toi. Sérieusement, tu vois pas que c'est juste un gamin? Non, mais s'il se la pète un peu trop, tant pis pour lui et tant mieux pour moi. On ferait mieux de bouger parce qu'il est en train de s'éloigner. Dépêche. Allez, allez. Hey, mais tu sais aussi marcher à ce que je vois, hein? Je pensais que tu savais juste sauter en l'air et prendre ton vélo. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux savoir ce qui ne va pas chez toi. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit ou quoi? Écoutez, je ne cherche pas d'embrouille. Le père de Sarah t'a dit qu'il ne voulait pas te voir près d'elle et c'est la dernière fois que je vais te le dire. Il ne sait même pas que j'existe, alors il n'enverra personne pour moi. Maintenant, tu as vraiment gagné ce coup. Hey! Franchement, vous m'inquiétez pour la sécurité de Sarah vu votre obsession. Tu sais quoi? Inquiète-toi plutôt pour ton visage. Eh bien bravo, comment est-ce que tu vas faire pour expliquer au patron ce que tu as fait maintenant? Bon, allons-y. Écoute, on ne va pas en rester là, Munoz. Anna! Doul! Hine! On se voit demain. Reposez-vous. Salut, Lorita. Quelle partie de « à demain » tu n'as pas compris? Va te reposer. Il me reste encore de l'énergie. Un peu plus. Oui, mais le cours est terminé et je dois me reposer aussi. Eh bien, je ne veux pas m'arrêter. On a un championnat dans moins d'un mois à Carthagène. Oui, c'est vrai, on a un championnat dans moins d'un mois où tu vas devoir te mesurer à des gars redoutables. Mais je ne veux pas que tu t'épuises, Oscar. Alors rentre chez toi, va manger et te reposer. C'est compris, coach. Bien, on se voit demain. Hé, hey, coach. Que... Savez-vous sur Sarah Swescoon? Sarah Swescoon ne reviendra pas, Oscar.
Et un petit conseil, il faut que tu te concentres sur ce qui est important, car un athlète non concentré est un athlète vaincu. Reste concentré. Attendez, comment ça, elle ne reviendra pas? Toi et moi, on va parler que de taekwondo, et rien d'autre. Est-ce que c'est clair? Hé, Ingrid, arrête! Allez, c'est bon, descends maintenant. Oh non, attends un peu, une dernière et puis on part. Aïe, descends de là, c'est bon maintenant. Fais voir. Voilà, ça suffit. Il faut en laisser un peu sur l'arbre, pas vrai? Je voulais te demander... C'est suffisant pour moi. Ingrid, dis-moi une chose. Vas-y. Comment vas-tu dire à Gabriella que tu es de retour sur le ring? Je vais lui dire, mais je dois attendre qu'elle soit de bonne humeur. C'est-à-dire jamais. Non, sérieusement, c'est la bonne chose à faire. Je peux avoir une mangue? Est-ce que je vous mets un citron avec? Oui, s'il vous plaît. Grand-mère, un citron. Merci beaucoup pour Bien votre sûr. Achat. J'espère que vous allez revenir. Merci. Oui, grand-mère, beaucoup de citrons. Écoute, figure-toi que là où je m'entraîne, j'ai rencontré un garçon. Et je l'aime bien. Il s'appelle Julio Acosta, c'est le neveu de l'entraîneur. Et le meilleur de tout, je pense qu'il m'aime bien lui aussi. Moi, j'ai un petit ami. Ah, tu es un petit ami? Oh, grand-mère, pourquoi tu ne me l'as pas dit? C'est qui ce dragueur? Il s'appelle Evelio. Evelio? Eh, quelle coïncidence, il a le même nom que mon grand-père. Écoute, tu sais quoi, faut pas avoir peur, car les Evelio sont des hommes formidables. Hein? Bon, bah dans quelques jours, je vais t'emmener avec moi et tu pourras rencontrer Julio. Petite coquine. Maman, je vais faire un tour et j'emmène grand-mère. Bon, salut. Mais comment ça? Où est-ce que tu vas? En fait, j'ai fini mes devoirs et j'ai envie d'aller faire un tour avec ma grand-mère et de me promener un peu, tu vois. On se voit plus tard. Ingrid! Maman? Je voulais te remercier de m'avoir aidée avec elle. Ne t'en fais pas, je l'ai fait avec plaisir. À tout à l'heure. D'accord. Attends, grand-mère, je vais ouvrir la porte. Oh, c'est un peu dur. Attendez, arrêtez. Ingrid, écoute bien les instructions. D'accord? Combinaison 1 et 2. Puis jab croisé. Alors gauche, droite, puis jab croisé. Vas-y. Et puis jeu de jambes. Allez. Jab, droite, jab croisé. Hein? Jab avec la droite, c'est ce que tu voulais faire. Allez, gauche, votre petite droite, fille se débrouille bien. Croisé. Elle fait de la boxe depuis longtemps? C'est bien. Quelle Continue comme fille. Ça. Ingrid? Ce n'est pas ma petite fille, c'est ma sœur. Ingrid Lorena Valencia! Qu'est-ce que tu fais ici? Yuri! Comment ça va, Rafier? Je vais bien. Et toi? Tu es toujours en colère contre moi? Ne t'en fais pas, je ne suis plus en colère. Comment ça, tu n'es pas en colère? Regarde, tu es toute sérieuse, tu as l'air grognon. Hey, Yuri, bon, tu sais quoi? J'aimerais qu'on fasse une croix sur toute cette histoire une bonne fois pour toutes. Allez, ma douce. Ce que tu as fait était très mal, mais je ne veux plus en parler maintenant. S'il te plaît, ma belle, pardonne-moi. Si tu dois t'agenouiller, agenouille-toi. Pardonne-moi pour tout ce qui s'est passé, ma poupée. Je jure que mes intentions n'étaient pas mauvaises. Tu s'es retournée contre moi, tu sais. Et je ne pensais pas que Maria allait réagir ainsi. Pardonne-moi, s'il te plaît. C'est de ma faute, tout est de ma faute, je le jure. Je te pardonne, mais à une seule condition. C'est comme une chanson, et ça sonne mieux sur tes lèvres. Tu vas devoir m'accompagner pour que je m'achète quelques vêtements, du répulsif et d'autres choses dont j'aurai besoin, car ce quartier est vraiment très dangereux. Oh, Yuri, pas la peine de demander. Car à partir de maintenant, tu as un garde du corps personnel 24 heures sur 24, où que tu sois, d'accord? Allez, il ne va rien t'arriver. Ne foire pas tout une fois de plus. Tiens, mamie. Je t'en prie, maman, arrête de me faire la tête. Ça fait 2 jours que tu ne m'as pas parlé. Je préférerais que tu chantes que d'être comme ça. Pasteur, parle à maman, s'il te plaît. Non, sérieusement, je ne vais pas m'en mêler. Vous feriez mieux de régler vos histoires toutes les deux. Tu ne m'aides pas du tout, là.
Écoute, maman, je sais que c'était mal d'aller boxer sans te demander la permission, mais c'est bon, je n'y retournerai pas. Ah, maman, ne sois pas comme ça, reviens. Ah. Merci beaucoup de m'avoir aidé à régler le problème, hein. Souviens-toi que j'ai commencé à y aller parce que tu me l'as suggéré. Ah, c'est comme ça que tu me parles? Je ne m'y suis pas mêlée, alors ne m'embarque pas là-dedans. Tu vois, mamie? Tu es la seule personne sur qui je peux compter ici, parce que les autres... Hmm. Allez, ouvre la bouche. Voilà. C'est pour toi. Pour moi? Ce sont des gants de boxe? Pastor et moi, on a fait des sacrifices pour te les offrir, tu sais. Maman, est-ce que t'es vraiment sérieuse? Quand l'as-tu déjà vu faire des blagues? Vous étiez si sérieux tous les deux. Je pensais que tu me grondais vraiment. Merci beaucoup à vous deux. Grand-mère, regarde, ils m'ont donné des gants. Je sais que parfois j'exagère un peu, ma chérie. Mais je veux le meilleur pour toi. Je n'ai jamais pensé que tu je pourrais... Je le sais. Mais Pastor et le psychologue de l'école m'ont convaincu que... Si c'est ce que tu veux faire, je dois te soutenir. Et c'est ce que je vais faire. Je ne te demanderai qu'une seule chose. Que tu me fasses confiance. Et que tu viennes me parler, d'accord? Il en sera ainsi. Ça veut dire que tu me donnes la permission d'aller m'entraîner? Bien sûr que oui. Et toi qui n'aimes pas que je joue au football avec les hommes, imagine maintenant, tu vas me voir boxer? Tu peux boxer. Mais ne néglige pas tes études. Ne t'en fais pas, maman, je ne vais pas arrêter. On va se faire un max d'argent rien qu'en vendant des mangues. Reed, passe-moi l'autre gant pour ramasser les peaux. Tiens, voilà, Madame Isadora. Aïe! Tu m'as fait peur. Et c'était pourquoi ça? Je voulais te remercier parce que tu t'es comporté comme un ange avec moi. Qui, moi? Ah, ne sois pas si modeste. Franchement, depuis que je suis arrivée, tu t'occupes de moi, tu me soutiens et tu me conseilles. Tu te bats même avec ma mère. On peut dire ça. Et ces gants de boxe, c'est une preuve de ton affection. Et tu les aimes? Ils sont trop chouettes. Viens par là, je vais te dire une chose. Assieds-toi. Écoute attentivement. Sache que dans la vie, rien n'est gratuit. On mérite tous ce qu'on a gagné. Et tu l'as mérité. Tu es courageuse, tu es une guerrière. Quoi que tu aies besoin, tu peux compter sur moi. Quoi que tu prévois de faire, je serai là. Si tu n'avais pas été là, ma vie à Cali aurait été si différente. Je serai là en cas de besoin, d'accord? Bon, je dois aller bosser. Tu as l'habitude de faire de longs sermons. C'est à mon tour maintenant. Merci beaucoup, papa. Et pourquoi tu m'appelles comme ça? Papa? À vrai dire, je ne connais même pas mon vrai père. Mais je t'aime comme si tu l'étais. Merci beaucoup. Honnêtement, j'aime beaucoup que tu m'appelles comme ça, Ingrid. Ah, tu ne vas pas te mettre à pleurer, je vois déjà une larme. Bon, ça suffit, laisse-moi travailler. Hey. Ça me fait plaisir que tu aimes que je t'appelle papa, parce que maintenant... Je vais te demander une faveur, papa. Tu es comme ta mère, pas vrai? Quoi? Non. Dis-moi de quoi il s'agit. Soulève-le plus haut. Soulève. Soulève-le. 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 Je le bouge un peu? Non, non, non. Soulève-le. Là, 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 là. C'est bon, tu peux lâcher. Voilà. Alors, ça te semble bien? Petit à petit, tu auras la salle dont tu as besoin, oui ou non? Et cette barre, elle est bien fixée? Oh, comment? Elle est bien fixée. Maman, tu sais, le coach Acosta m'a félicité après l'entraînement. Il m'a dit que j'avais une bien meilleure technique et que j'étais prête à concourir, t'imagines? Où aura lieu la compétition? Ce sera dans 2 semaines. Il y aura un championnat pour les boxeurs amateurs à Toulois et le coach Acosta veut que j'y aille. Qu'en penses-tu? Ah, Ingrid Lorena,
Est-ce que tu vas vraiment te mettre à tabasser d'autres filles? Bien sûr, maman. Pourquoi tu crois que je fais du jogging tous les jours? Pour concourir! Tu me donnes la permission ou pas? Mais promets-moi que tu ne seras pas vaincue. Maman, je vais faire valser mes adversaires sur le ring. J'aimerais bien voir ça. Écoutez, on fait des tractions pendant une demi-heure, ensuite de l'endurance, et puis on s'étire. D'accord? Allez le dire aux autres élèves aussi. Monsieur, excusez-moi, êtes-vous le professeur Tonio Cortez? Oui. Enchantée. Je suis Yuri Alvear Orejuela et j'ai été recommandée par le professeur Roberto Guaqueta de Jamundi. Eh ben, je vous attendais. Merci beaucoup, coach. Par ailleurs, sachez que je suis venue ici pour apprendre et aussi pour donner le meilleur de moi-même. J'espère que tu es venue ici bien préparée et prête à travailler parce que nous sommes en tête des prochaines compétitions. Lesquelles ? Les Jeux d'Arménia et de Pereira. On va vraiment participer à ces compétitions ? Tu l'as dit. La raison de l'entraînement, ce sont les compétitions, Yuri. Et tu vas faire partie de la délégation colombienne. Vous êtes sérieux? Mais vous ne m'avez jamais vu m'entraîner. Je t'ai vu lors des matchs à Bogota. Et je sais que tu vas assurer. Je vous remercie, coach. Vous verrez, je vais me donner à fond à l'entraînement. Bon, en principe, j'ai des cours à l'université très tôt le matin et je termine aux environs de midi. Mais après cela, je suis disponible pour m'entraîner aussi longtemps que vous le jugerez nécessaire. Bienvenue. Tu peux te changer et on va commencer tout de suite. Oui, c'est parti. Oscar, mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, puisque Mahomet ne va pas à la montagne vient à Mahomet, c'est ce qu'on dit? Oui, mais tu ne peux pas venir ici et comment tu es monté? Enfin, pour venir te voir et aussi te parler, tout plein de choses. D'accord, mais quand même, tu n'es pas l'homme araignée. Eh non, pas comme l'homme araignée. Juste comme un homme amoureux. Mais tu aurais pu prendre une échelle, tu sais. Et si tu t'étais fait prendre par les gardes de mon père? Non, ne t'en fais pas, j'ai vu qu'ils n'étaient pas là. Ils sont partis en voiture. Tu es dingue. Pourquoi tu ne reviens pas à l'académie? Mon père a des problèmes au travail et pour ma sécurité, je ne dois pas trop sortir. Et qu'est-ce que ton père fait dans la vie? Tu es venu parler de mon père ou tu es venu me voir? Tu veux vraiment savoir? J'ai parlé à ma patronne. Et malheureusement, elle m'a dit qu'elle ne pourrait pas me payer avant mercredi. Ce n'est pas grave si tu n'en as pas. On me doit de l'argent au funérarium. C'est assez pour emmener ta mère à son rendez-vous, ne t'en fais pas. Maman! Tu peux me prêter des boucles d'oreilles? Des boucles d'oreilles? Oui, une paire qui va aller avec... Ouh, attends, qu'est-ce qui se passe? Et où vas-tu habiller comme ça? Ne me dis pas que tu vas vendre des mangues? Non, comment peux-tu croire que je vais vendre des mangues dans cette robe? Puisqu'on avait dit plus de mensonges, eh bien, un ami m'a invité à sortir. Un ami ou un petit ami? Si c'est un petit ami, tu dois l'amener ici et le présenter pour que je puisse voir son visage. Oh non, pour que tu lui fasses passer un interrogatoire. Non maman, c'est juste un ami. Il doit être spécial pour que tu t'habilles comme ça, regarde. C'est bon, j'ai grandi et je n'ai plus honte. Non, arrête. Laisse-la tranquille, ce n'est pas parce que c'est une boxeuse qu'elle ne peut pas être féminine. Tu es magnifique ma chérie, regarde-toi. Tu veux bien apporter les boucles d'oreilles dans ma chambre? D'accord ma fille. Ah, arrêtez de me regarder comme ça. Regarde, ma petite fille est devenue une belle jeune femme. Mais tout comme ta mère. Avec un sale caractère et un joli sourire. Un petit bisou. Fais-moi rire et tu verras comment je te fais plaisir. J'arrive, ma puce. Ça fait vraiment longtemps, Donna Zenaya. Vous vivez toujours à Polvero? C'est bien. Salut, Julio. Ah, poupée, c'est toi? Oh, tu es absolument magnifique, hein! Cette petite robe jaune te met en valeur, j'en crois pas mes yeux. Retourne-toi pour voir. Voilà. Splendide. T'en magnifique, penses quoi? Magnifique, chérie. Merci. Franchement, je crois que si les gens de la Ligue te voyaient, ils ne te reconnaîtraient pas. Mes parents m'ont dit la même chose. Alors, qu'est-ce que tu as dit à ta mère pour avoir la permission de venir? Eh bien, la vérité, que j'allais au cinéma avec un ami.
Non, mais comme tu m'as dit qu'elle était assez stricte et tout, tu vois. Oh, tu parles. Ma mère est une bonne personne, oui, mais elle a eu une vie difficile et c'est pourquoi elle est aux petits soins avec moi. Elle me surprotège même parfois, je dirais. Bien sûr, je la comprends, sinon qui va protéger une belle princesse comme toi des vautours? Il faut s'occuper d'elle. Arrête, tu vas me faire culpabiliser. Culpabiliser pourquoi? Je dis simplement la vérité. Mais tu sais qu'il ne devrait pas savoir qu'on a rendez-vous, toi et moi? Mon cher oncle, parce que celui-là, crois-moi, il est 1000 fois plus féroce que ta mère. On est entouré d'imbéciles alors. Écoute, Rolio, tu peux te rassurer parce que le coach m'a seulement vu en sweatshirt et en short, tu sais. Même s'il vient ici, il ne me reconnaîtra pas. Et s'il vient, je vais me cacher comme ça. Il ne me verra même pas. Hé, ma belle, allons-y parce que le film va bientôt commencer. J'aimerais d'abord prendre un verre avant de partir. Mais non, prends celui-là. Je n'y ai pas encore touché. Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous faites ici? On cherche Federico Sergio Gutierrez. On a un mandat de perquisition et un mandat d'arrêt contre lui. Hé! Pas là-bas! Au moins, respectez la chambre de ma fille! Qu'est-ce qui se passe? La police recherche ton père, chérie. Vous, ne bougez pas! C'est bien ce que je me demande. Sarah, mais qui est ce type? Il est là. Il est là. Surtout ne lui crie pas dessus, chérie. Il a un visage triste, mon fils. Oscar, bon sang, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais au beau milieu d'une opération de police? Il nous appelle pour nous dire que notre fils a des problèmes avec la justice. Je n'ai aucun problème. C'est juste que je suis venu ici, au mauvais moment. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir Sarah, une de mes amies. Je lui ai rendu visite. Sarah, c'est celle? C'est la fille de la fête et de l'autre jour, c'est ça? Ouais. Une amie de l'académie. Oh mon Dieu, regarde un peu cette maison. Ils nous ont dit qu'ils ont mis le père en détention. Et je n'aime pas ça du tout. Si le père a ce genre de problème, je ne veux pas que tu sois ami avec cette fille. Tu as compris? Comment est-ce qu'elle va? Elle va bien maintenant? Elle n'arrête pas de pleurer. Fiston, je vais te dire une chose que je pense t'avoir dit à plusieurs reprises. Tu dois être très prudente avec les femmes avec qui tu t'engages parce que quelquefois, tu tombes sur de vrais cinglés. Ce genre de femmes, tu dois les garder à distance. Des kilomètres, je dirais, c'est un sujet sensible. Bien sûr, tu parles en connaissance de cause, n'est-ce pas? Tu vas recommencer avec cette histoire? Évidemment, parce que tu sembles oublier que tu as un enfant avec une autre femme. Alors tu es la dernière personne à donner des conseils sur les femmes à ton fils. Tu vas continuer encore et encore et c'est encore bon, et encore? C'est bon, bien sûr que oui. Arrête. C'est pas vrai, allons-y. Allez, on y va. Très bien, Yuri. Je propose de porter un toast, même si c'est avec du soda. Mais à quoi est-ce que tu veux porter un toast? Eh ben, à quoi d'autre? Mais à toi, et tu sais pourquoi? Parce que tu es la plus jolie fille de tout le club. Et puis parce que, après toutes les choses qui te sont arrivées depuis le début, regarde, tu as enfin retrouvé ce beau sourire que tu avais. Attends, depuis que je t'ai rencontré, tu ne cesses de me faire de bons compliments. Non, je dis juste la vérité. Tu vois, tu es mon inspiration. Tu es ma petite muse. Alors, trinquons à ça. Santé. Hey, Yuri, tu sais, j'adore te voir heureuse. Je suis heureuse parce qu'aujourd'hui, j'ai très bien travaillé avec mon nouvel entraîneur, le professeur Tonio Cortez. Il m'a dit que je vais faire partie de l'équipe nationale pour les compétitions d'Armenia et de Pereira. C'est la meilleure nouvelle qu'il pouvait me donner. Ah non, Yuri, non! La meilleure nouvelle pour nous deux parce que cela signifie que nous allons voyager ensemble à Armenia et Pereira. Oui! Aïe, aïe, aïe! Cet homme, c'est un grand optimiste. Il est convaincu que nous pouvons prétendre à n'importe quelle médaille à ces jeux. Comment s'est passé l'entraînement? Pas trop fatigué? Non, comme d'habitude. Ben, voyons. Parce que j'ai besoin de me préparer. Je vais te faire passer un test d'endurance. Vraiment très difficile. Ah. On va voir si c'est vrai cette histoire selon laquelle tu as gagné un concours de salsa quand tu étais petite. Hein? Eh oui. Oui? Eh ben, Yuri, regarde. Voilà. Ton partenaire. Que tu as dans le ventre. Eh, hey, Yuri, tu es vraiment très belle, tu sais. Merci. Thank you.
c'est chaud, tu vois. Là, je te promets que c'est vrai, que tu es en train de vivre, ma belle. Là, tu vois. Allez, bouge ton corail. Oh, regardez-la. Bien. À te voir, on dirait pas que tu es un sacré danseur de salsa, je me trompe. Tu sais que j'avais pour surnom le petit Black Bembe. Aïe. Mais tu n'es pas loin derrière, tu t'es bien débrouillé sur la piste. Et tu sais quoi? Tu es déjà qualifié pour le prochain tour. Heureusement, parce que je me suis donné beaucoup de mal. Sérieusement, j'ai passé un bon moment, Javier. Non, de rien, Yuricita. Le but était que tu t'amuses. Oui, et d'ailleurs mon corps réclamait une petite danse depuis un bon moment. J'en avais vraiment besoin. Tu vois, tu peux compter sur le Black qui a le flow pour tout ce que tu veux. Bien sûr que oui. On se voit demain. À demain, Yuricita. Repose-toi bien.